Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche 12 décembre. La Covid-19 a encore frappé, 7 patients sont décédés à l'hôpital ENT ce dimanche, parmi un infirmier, Jiwan Kumar Gurib, âgé d'une cinquantaine d'années, parallèlement une flambée de cas positifs recensés. Il n'y a aucun abus de prix, contrairement aux allégations malveillantes lancées à notre encontre, réplique de CPN Distributors Limited ce soir. La compagnie de Jay Kumar Chuttoo dit avoir acheté le médicament Molnupiravir à 72 roupies et l'avoir revendu à 79,92 roupies, soit une marge de 11%. Un communiqué émis quelques heures après que le ministère des Finances a gelé la transaction visant à payer 79,8 millions de roupies à cette firme, une enquête initiée par la santé. Il s'agit d'un aveu de taille, a dit Ehsan Juman, qui réclame la démission du ministre Jagutpal. Enceinte de 2 mois, une jeune maman de 17 ans dénudée, battue et séquestrée par son ex-petite amie. Cette habitante de Plaine Verte doit son salut à un marchand de nouilles. La mère du suspect parle de vengeance. Et puis championnat du monde de Formule 1, Max Verstappen détrône Lewis Hamilton et Mercedes. À 24 ans seulement, le pilote Red Bull Honda décroche ainsi son premier sacre. Voilà pour les titres, bonsoir. Je vous le disais, encore un autre infirmier qui tombe au combat. Il s'agit de Jiwan Kumar Gurib, âgé d'une cinquantaine d'années. Cet infirmier a rendu l'âme à l'hôpital ENT ce matin, vacciné contre la Covid-19. Cet habitant de Kongoma avait été testé positif il y a 3 semaines. Souffrant de comorbidité, le quinquagénaire n'a pas survécu. Cette mort subite inquiète davantage les frontliners, affirme un des collègues de la victime, Bolanat Jiwant. Dans même le film trouvé qu'il y a un confrère, M. Gurib, qui trouve la mort aujourd'hui, et c'est un combattant qui est très apprécié à l'hôpital civil, qui est bien aidant. Quand il est capable de faire quelque chose, il peut faire. Malheureusement, pour nous, nous perdons, et ça reste gros dans nos équerres, et nous dire que nous sympathisons nous-mêmes avec toute la famille. Si positif, il y a 3 semaines. Si elle met l'hôpital civil pendant une semaine, une dizaine de jours, et puis une dizaine de jours, il reste l'hôpital ENT. Et 6 autres décès ont été recensés à l'hôpital ENT ce dimanche. Et les derniers chiffres de la Covid-19 communiqués par la santé, 92 cas positifs enregistrés. Par ailleurs, 3 patients ont été admis à l'hôpital ENT. 27 nouvelles admissions ont été enregistrées dans les hôpitaux régionaux du pays. Autre chiffre de la santé, 136 940 personnes ont reçu leur booster dose à ce jour. Il n'y a aucun abus de prix, contrairement aux allégations malveillantes lancées à notre encontre. Précision de CPN Distributors Limited ce soir. La compagnie dit avoir acheté le médicament Molnupiravir à 72 roupies et l'avoir revendu à 79,92 roupies, soit une marge de 11%. Nos livres de compte demeurent à la disposition des autorités compétentes pour toute vérification par n'importe quelle autorité du pays, affirme le directeur général Jay Kumar Chuttoo dans un communiqué émis ce dimanche. Il précise également avoir importé ces médicaments pour distribution à travers les pharmacies du privé, le stock étant disponible car il en manquait sur le marché. Par ailleurs, CPN Distributors Limited souligne que ses équipes légales étudient les atteintes portées à sa réputation et compte prendre des actions qui s'imposent. Ce communiqué a été émis quelques heures après que le ministère des Finances a gelé la transaction visant à payer 79,8 millions de roupies à la firme CPN Distributors Limited de Montagne-Longue. Le secrétaire financier a ainsi donné des instructions pour qu'aucune roupie ne soit versée, et cela même s'il s'avère que des comprimés de Molnupiravir ont déjà été livrés au ministère de la Santé. Une enquête interne a été initiée au ministère de la Santé, rue Trajessar. C'est une affaire qui fait grand bruit depuis que le leader de l'opposition a révélé à l'Assemblée nationale que CPN Distributors Limited a obtenu un contrat d'importation de 1 million de doses de Molnupiravir au coût de 79 roupies 92 l'unité, alors que l'autre importateur, soit Mauritius Pharmacy, a lui importé 800 000 tablettes au coût de 9 roupies 30 l'unité. Selon l'opposition, le unsolicited bid de CPN Distributors Limited était illégal, ainsi elle réclame une commission d'enquête. CPN Distributors Limited, qui est basée à Port-Louis et à Montagne-Longue, a été incorporée en mars 2017. Cette compagnie, qui appartient à l'homme d'affaires Akash Chuttoo, est active dans l'import-export et plus récemment dans la distribution de produits pharmaceutiques. D'ailleurs, elle a reçu son permis du Pharmacy Board en juillet 2021. Les réactions n'ont pas tardé après ce développement. Il s'agit d'un aveu de taille pour Ehsan Juman, le député travailliste et d'avis que le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, doit step down. Il a déposé une motion au secrétariat du Parlement pour réclamer une commission d'enquête sur l'achat de médicaments et d'équipements, entre autres, effectués depuis mars 2020 à ce jour. Ehsan Juman intervenait dans l'émission Les Actualités commentées ce dimanche, animée par Florence Alexandre. Ministère de Finances, quand il gèle ce paiement-là, de nous raison qu'il y en a quelque chose qui n'est pas correct. Mais moi, le plus loin, moi capable de nous geler le paiement. Et demain grand matin, le ministre Jagutpal rentre de son bureau, il travaille avec sa dossier-là. Il est bizarre démissionner le temps de l'enquête selon vous? Le ministre Jagutpal, bizarre, il step down tout de suite, ainsi que le CEO et le chief procurement. Demain grand matin, je n'ai pas le droit de rentrer dans le bureau et l'affaire, la police, ils ont fait ce travail. Les vignes, ils prennent tout de chez qui est là et le paiement, comment nous geler, bien faire. De nous, raison, c'est qu'il nous peut dire et là, tout le monde peut trouver ça. C'est un vol en plein jour. Et Ehsan Juman nous compte Rébine à la charge au Parlement vendredi? Écoutez, moi, moi déjà, il y a une private motion qui tourne autour procurement. Panique s'en a là depuis le début, c'est-à-dire, on peut dire mars 2020 jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui est dans médicaments, vaccins, tout ça là, on demande une commission d'inquiétude. Moi, spécifiquement, bien là. Vendredi, si mon motion peut venir. L'actualité revient après cette pause publicitaire. Déodorant antitranspirant Nivea Mendib avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Mendib. Nivea Men, ça commence avec vous. Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteurs du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. Les principaux sponsors de la Ligue des Champions reviennent en force. À partir du 20 novembre, une promo exceptionnelle pour vous les fans. À l'achat d'un sachet de Lay's 45 grammes, recevez une bouteille de 330 ml de Pepsi Black en cadeau. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes nos offres et activités Ligue des Champions sur notre page Facebook Pepsi Mauritius. La Ligue des Champions avec Lay's et Pepsi, the perfect match. Je vous le disais, elle dit avoir été déshabillée, rouée de coups et séquestrée par nul autre que son ex-petite amie avec qui elle a un enfant de 3 ans. Véritable traumatisme pour cette tiktokeuse de 17 ans, enceinte de 2 mois. Cette habitante de Plaine Verte relate que dans la journée d'hier, son ex-copain lui a téléphoné pour lui demander de l'argent, mais elle a refusé. Et en se rendant à la boutique du coin, le jeune homme s'est acharné sur elle et l'a traînée sur l'asphalte. Elle doit son salut à un marchand de nouilles. Elle s'est confiée avec l'autorisation de ses parents à TéléPlus. Témoignage. J'ai mon ex-copain qui seulement 6 ans. Je vais au 300 pubs, mon bon travail, mon copain pour gagner pour donner. Daarna een goed budget, maar we hebben een labbutik in de maand de Saopi. Kom en zo te lozen. Mijn man gaat naar de labbutik, denk maar krap maar voor me. Ze willen niet trainen, maar namen maar. Padje zitten maar schaal en lachen en poenamba. Denk maar Batman, denk maar desabillé. Maar daar zijn die dan maar kunnen in kras, maar daar zijn in Batman, beaucoup maar alleen in Hanfle, maar liefje, maar namen. In train maar lopen, chemena. Il y a beaucoup de monde. D'une femme à 7 ans, pont. Mon soeur, je la croise et va être prête. Beaucoup de monde est trouvé là-bas. D'une thermolence, là au moins. D'une demonstrance pour mettre comme une sortie au chemin. D'une sauveline à aller. Tiens, à du monde, la police vient faire patrouille. Le plateau là-haut. D'une bouche, me la bouche, pas laisse-moi crier. Moi, je peux crier. Jusqu'à me la voir, pas avec la sortie, mais avec la cause des autres. Il y a 4 ans, je connais. Depuis qu'il y a des enfants, il y a des contacts. Sa famille fait mal de shelter. Sa famille, depuis une sortie de shelter, sa famille en selle, moi. Sa famille d'Amazon, des mecs, comment tout à l'eau chemin. Moi, pour tuer, toi, je fais un rentre en bas la rouleteur. Il y a des personnes, sa famille, tu peux dire, sa famille venue pour tuer moi. Oh, sur les pieds, une pile là, mon la gorge, une coupe tout. D'une arôme de l'essence, je me sauve, mon arôme. Mais c'est pas qu'à gagner pour ta poussée de moi, ma. Sa famille ruine la vie par les smaguettes de mes enfants. Mes enfants pour gagner 3 ans, là. Une tierman était mes enfants. Moi, j'ai envie de gagner visite, donc on a mes enfants. Une seule petite fille, moi, là. Je travaille pas besoin de lui du tout, il gagne 5-6 mois. Tout côté, il vient faire le tour de moi, ma sur la peau. Il vient taper moi, ma sur la peau. Mon petit fille en sécurité du tout. De son côté, la mère du suspect parle de vengeance, car c'est elle qui s'occupe de l'enfant de 3 ans. Incident-là, je ne pas connu seulement mon portable avec mon garçon. Quand je peux sonner portable latin. Le latin, il a que ce papa travaille à la rue des fautes. Le lundi, ce papa, tu fais là, il prend portable là. Alors, si il rase portable là, il coquin portable là, ce qu'elle est, je vais trouver mon portable. Si mon garçon, bien longtemps, il n'est pas respecté de moi. Respecte ce camarade, que tu fais là, ce petit cerf, ce grand cerf, il n'est pas respecté de moi. Je ne pas connaître qui déroulement il a. C'est ce petit baba qui reste avec moi. Alors, depuis l'âge 3 mois, c'est Dieu. Il prend la garde, mais tu filmes, prend sur la garde. De la maman, elle rentre dans le shelter. Mais à cause de ça, que m'a dit qu'il y a une vengeance avec moi. Il n'est pas venu contre moi, il n'a pas gagné contact avec lui. Simplement, mon garçon s'est avec mon portable. Quand il est venu grand matin pour faire, il est venu virer un petit casse. Il est venu redemander, après il est allé. Il prend mon portable, il téléphone, il paye la portable. Mais ça va encore là. C'est mon garçon qui fait. Je n'ai aucun contact avec ce fille-là. Je me dis quand il a 18 ans, il est là qui m'a marié mon garçon avec lui. Mais quand je me dis mon garçon, il est dans la case, il restait. Je me trouvais qu'ils n'étaient pas d'accord. Depuis 3 mois, je me prends ces enfants-là, je me soigne, je me nourris. Ces enfants-là allaient à une grande école. Je n'ai pas eu contact avec lui. Je me dis à mon garçon, quand tu fais là, il a 18 ans, je peux faire un école avec mariage civil. Si je t'en envie. Un policier du Field Intelligence Office de Port-Louis-Nord, arrêté pour possession de cannabis hier dans l'est de l'île. Cet homme de 32 ans était dans le viseur de la brigade antidrogue depuis plusieurs semaines. Il a été inculpé de possession de cannabis devant la Bail and Remand Court. Il a été relâché sur parole. Fin tragique pour Wesley Java, 36 ans. Il a fait une chute mortelle alors qu'il cueillait des mangues chez un habitant de Goodland ce matin. À l'arrivée des secours, cet habitant de la localité avait déjà rendu l'âme. Edley Java regrette que son fils n'a jamais écouté ses conseils. Muka berukaskan muk, bila lama panal dia suit bermocik kau jadi penjok, toko teman pergi mud belagi dah mud belagi ekban kamaran dah. Nah dengan aku dia bergot bunyi, dia lama lama sampai bergot. Sulabi pasti mocik dalam prison di, lain soti prison di bunyi. Pudi pakai hawan labi lang aku, momen di si, di prison seme. Pakai problem mama di kontan punya le. Mukanya banding mun pabong lah, mun jadi pamasa kaman dimun lah, pabjah perikot jut. Badai mana jadi perikot kaman dimun lah. Tian bon souvier sah, tian bon souder sah. Jut pas content travail pour gagner cash par mois, jut content pour gagner cash tous les jours. Si le travail bon souder, ben le fiel. Parce que la matière besoin là, ben finit bas prison. Tout à fait autre chose à présent, le thermomètre va grimper jusqu'à 34 degrés. Un pic de chaleur est attendu en cette fin d'année, principalement dans l'ouest de l'île, selon la station météo de Vacoas. Le prévisionniste Fawaz Dilmahomed précise que cela représente entre 1 et 3 degrés de plus que la moyenne saisonnière. Quant aux pluies estivales, une détérioration du temps est attendue à la fin de cette semaine, entre jeudi et vendredi. Les descendants, même vent léger aussi, période d'ensoleillement prolongée. Donc ça lui fait une température augmentée et c'est pour cette raison que jusqu'à présent il fait bien chaud avec une température avoisinant les 34 degrés sur le littoral l'ouest surtout. Et là, tendance pour le mois de décembre, les bons nous fait mention que graduellement nous perdons vers le pic de l'été pour faire toujours chaud et surtout pour le littoral l'ouest, toujours nous prenons une température dans les environs de 34 degrés pour le mois de décembre. Et maintenant, concernant la pluie, comme on me mentionnait tout à l'heure, donc à grande échelle, nous sommes dans une zone de subsidence. C'est pour ça que le mois de novembre et même jusqu'à présent, nous l'appelons déficitaire. Mais nous avons une indication que la situation commence à changer et ça peut nous un peu la pluie, surtout de jeudi à vendredi. Max Verstappen est sacré champion du monde de Formule 1 2021. Il détrône Lewis Hamilton alors que Honda détrône Mercedes à l'âge de 24 ans seulement. Le pilote néerlandais de Red Bull Honda vient de devenir le quatrième plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Le néerlandais s'est imposé dans le tout dernier tour d'une course au scénario totalement improbable que l'on ne saurait résumer ici et relancer dans la dernière boucle après une intervention de la voiture de sécurité. Les commentaires pleuvent sur les pages officielles de Red Bull et Honda F1 Racing. Vitek has kicked in yo étant le commentaire le plus commun sur la page du nouveau champion du monde. Cinéma pour terminer, à découvrir à partir du 15 décembre, Spider-Man No Way Home, le prochain film des productions Marvel, a été encadré de manière à limiter le plus possible les potentielles fuites en réponse à divers leaks qui ont entouré la sortie du long métrage. Les vidéos, trailers et images officielles ont cependant distillé diverses informations qui ont confirmé la présence du bouffon vert, incarné par Willem Dafoe, ainsi que celle du Docteur Octopus et Electro respectivement, endossée par Alfred Molina et Jamie Foxx. Le casting du film montre également la présence de Benedict Cumberbatch dans le rôle du Docteur Strange et de Zendaya qui incarne une nouvelle fois Mary Jane, la petite amie de Peter Parker alias Spider-Man. Lizard et Sandman sont également de la partie. Les réalisateurs promettent un film extraordinaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Bonne soirée à tous. TéléPlus ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle belle sol, et zoli cadeau, zispou. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. En c'est l'adresse www.iflip.mu. IFIPlus, lien service, le défi Media Group. IFIPlus, where tradition meets technology.